إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الإله الحق المبين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. قال تبارك وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلني وإخواني من الفائزين المتقين الذين يسلكون صراطك المستقيم. أما بعد أيها الفضلاء والفضليات. Chers frères et sœurs, nous avons parlé la semaine dernière de la mauvaise fréquentation de bien choisir ses amis. Et nous avons abordé dans ce prêche de la semaine dernière un point que nous allons aborder de manière détaillée aujourd'hui. Par contre, s'il vous plaît, d'emblée, avant de commencer le sujet, j'entends des personnes parfois pour plaisanter, parfois sérieusement dire « T'as entendu ce qu'il a dit l'imam ? C'était pour toi. » Non, non, non. Ce que dit toujours l'imam, le premier qui est concerné, c'est lui-même. Deuxièmement, l'imam ne vise personne. Le sujet que je vais traiter aujourd'hui, je l'ai traité il y a à peu près 2-3 ans. Et un frère et une autre personne m'a dit que grâce à toi, Nourdine, j'ai arrêté. Le sujet, c'est quoi ? C'est la cigarette. C'est la cigarette. Et pourquoi on ne doit pas dire aux gens, t'as vu ce que l'imam a dit aujourd'hui, c'était pour toi? Parce que lui, peut-être il est éprouvé par la cigarette, mais c'est quelqu'un de correct, il est toujours à la mosquée, il est quelqu'un quand il y a une promesse de don à la mosquée, c'est lui qui donne le plus, etc. Toi tu fumes pas, mais peut-être que tu fais plus de catastrophes que tu caches. Donc à partir de ce moment-là, tu prends pas les gens de haut. C'est pas parce que lui fume que c'est un mauvais musulman, ou parce que lui ne fume pas donc c'est un bon musulman. Non, non, non. Allah Azzawajal sait, il n'y a que lui qui sait qui est ce qui est bon et qui est ce qui ne l'est pas auprès de lui. Donc on n'a pas à prendre les gens de haut. Donc le sujet que nous allons donc aborder, c'est tout simplement le fait d'arrêter de fumer pour ceux qui fument et de ne pas être attiré par la cigarette pour ceux qui ne sont pas encore sur ce wagon à fumer. Il y a un poète qui est encore vivant, Hafidhahullah, qui a dit une belle phrase. En français, malheureusement, elle casse un petit peu le sens. En arabe, elle est plus belle. Mais bref, c'est pas grave. Il dit « Combien de fois le diable a égaré ?» ainsi que les plaisirs encouragés par un groupe de personnes, et le plus grand péché est le fait que le péché est sous-estimé. Combien de péchés nous faisons, même parfois c'est des petits péchés, on dit c'est pas grave, Allah Ghafur Rahim. Certes, Allah il est Ghafur Rahim, il pardonne. Mais c'est ça la chose la plus grave, c'est que l'on sous-estime les petits péchés. Et ce n'est pas ce qu'il faut faire. Que disent nos textes sur le tabagisme? Quels sont les dangers sur la santé? Comment arrêter? Disons même plutôt, quels sont les bénéfices de la cigarette? En 2020, un paquet de 20 cigarettes se situe entre 8,90€ et 10,50€. On va prendre juste la moyenne de 9€. Ça fait 270€ par mois. Si on suppose que la personne fume un paquet par jour, ça fait 270€ par mois. Et parfois, les personnes qui fument sont en général les plus précaires. C'est quasiment le prix d'un loyer, ça. 270€ par mois. On parle en une année, ça fait plus de 3200€ par an. Imaginez maintenant la personne avec ce même tarif-là, il fume pendant 40 ans, il a dilapidé plus de 130 000€ dans la cigarette, en 40 ans. Bref, ici, on a l'explication du hadith qui dit que le prophète a dit « Et Dieu vous interdit, ça on le dira tout à l'heure le hadith, et parmi ce qu'il interdit, le fait de dilapider vainement l'argent. » Il y a des choses qui sont futiles. Certains parfois sont choqués de voir une femme ou un enfant fumer une cigarette, alors que le danger est le même pour un homme, une femme ou un enfant. Pourquoi être choqué lorsqu'on voit un enfant fumer? On devrait autant l'être pour un homme qui fume. C'est un poison pour tout le monde. Donc pourquoi on est choqué quand on voit un enfant ou une femme fumer, alors que c'est un poison pour tous? Il est aussi un mal, car le danger touche aussi les personnes qui sont autour des fumeurs, et voire même celui qui est dans le ventre de la fumeuse, à savoir le fœtus. Ce qu'on appelle ici, comme vous le savez, le tabagisme passif. La question que certains se posent, que disent donc les textes sacrés, le Coran et les hadiths? Il n'y a pas de texte explicite sur l'interdiction des fumées, que ce soit la cigarette, que ce soit la chicha, que ce soit la cigarette électronique. Contrairement au texte explicite concernant l'interdiction de l'alcool. C'est pour cela
qu'auparavant, je dis bien auparavant, et c'est peut-être une des paroles la plus importante de ce prêche, qu'auparavant, les savants musulmans étaient partagés. Certains, la majorité disaient que la cigarette est interdite, et une partie disait que c'était déconseillé. Mais en tout cas, il n'y avait aucun parmi tous les savants qui disaient à l'époque que la cigarette était interdite, qui était autorisée, pardon. Et bien entendu, on dira l'avis prépondérant aujourd'hui de tous les savants à la fin de ce prêche pour comprendre. Bref, les savants parlaient à l'époque de pratiques déconseillées. Et leur avis a changé avec les découvertes scientifiques au sujet des fumées, que ce soit celle du tabac ou autre. Parmi les textes explicites concernant le fait que la cigarette est mauvaise, donc c'est une interprétation qu'ils en ont fait, c'est le verset coranique dans la sourate 7, verset 157. Dieu dit, ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils trouvent mentionnés chez eux dans la Torah et l'Évangile, il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses et leur interdit les mauvaises. Et les bonnes choses qu'on appelle at-tayyib, on peut les donner en sadaqa. Et la sadaqa, c'est-à-dire l'aumône, on peut la donner en argent, en vêtements ou en denrées alimentaires. Elle ne doit être que de ce qui est bon. Jamais on trouve quelqu'un qui fait une sadaqa en cigarette. Et même, quand bien même il l'a donné en cigarette, ce n'est pas une sadaqa qui est acceptée. Le fumeur véridique, même celui qui fume, qui est véridique avec soi-même, il avoue que la cigarette, elle est mauvaise. Et donc il applique le verset coranique qui dit « Et il interdit les mauvaises choses, sallallahu alayhi wa sallam. » Donc si tu es d'accord pour dire que la cigarette, elle est mauvaise, eh bien, prends ce verset coranique qui dit que le prophète a interdit les mauvaises choses. Le hadith qu'on a commencé à citer tout à l'heure, que je vais terminer maintenant, le prophète, alayhi wa sallam, a dit « Dieu vous interdit, le « il a été dit, on a dit », c'est-à-dire les termes de rumeur. Il paraît ou bien il semblerait que, hein, ces termes-là, il y en a les rumeurs, le prophète a interdit tout ce qui est parole qui ressemble à des rumeurs. Il paraît que, ou bien on m'a dit que. Posez trop de questions. Bon, j'ouvre une parenthèse. C'est comme si le prophète veut nous dire, lisez, apprenez, cultivez-vous. Plus vous connaissez de choses, moins vous poserez de questions. Car plus vous posez de questions, plus vous, dire, ça, vous n'avez pas rempli votre tête, vous n'avez pas rempli votre esprit et votre tête de savoir. Et ensuite il dit, et Dieu vous interdit de dilapider vainement l'argent. Et on a cité combien ça coûtait un paquet de cigarettes, de 20 cigarettes, combien ça revenait à l'année, combien ça revenait dans le mois et à l'année. Si le fumeur cherche une preuve d'interdiction coranique explicite, Dieu veut lui en donner plein. Mais à partir de quelle base? À partir de la base du paquet de cigarettes qui te parle, qui est plus éloquent qu'un moufti qui te dit « fumer tue ». Et à partir de là, on peut citer les textes maintenant. Le Coran nous dit, et ne vous tuez pas, c'est-à-dire ne portez pas atteinte à votre vie, ne vous suicidez pas. Et le fait de fumer la cigarette est un suicide à petit feu. Excusez-moi le jeu de mots, mais il est bienvenu ici. Et un verset coranique, écoutez bien mes frères et sœurs. Le verset coranique, c'est comme si Allah Azzawajal l'évoquait aussi sur ça. Il dit, et ne vous jetez pas avec vos mains vers votre mort. Wala tulqou bi aydikum, avec vos mains. Et sur les paquets de tabac, donc, comme on l'a dit, on peut voir fumer tu. Est-ce là une lutte entre David et Goliath? Est-ce que 10 cm arrive à battre 170 cm? Le musulman doit être exemplaire pour ses enfants et ses proches. Son odeur ne doit pas faire fuir combien de femmes patientent l'odeur de cheminée de leur conjoint. Regardez l'état des dents des fumeurs, de la peau des fumeurs et des doigts des fumeurs. Le prophète a interdit la consommation de toutes choses enivrantes. Et là, on a des textes qui sont authentiques. Nahar alayhi sallam an kulli muskirin wa muftir. Tout ce qui est enivrant, ce qui te rend ivre, est interdit. Et tout ce qui est affaiblissant ou qui altère à ta peau ou à ton état, c'est interdit. Ce qu'on appelle en arabe muftir. Ce qui altère à ta peau ou à ton état est interdit. Et sur le hadith là, beaucoup de savants l'utilisent pour la cigarette et pour les drogues. Le musulman doit avoir un bon parfum et une bonne haleine. Le prophète préconisait l'utilisation avant la lecture du Coran de ça, du siwak. Ça ressemble à une cigarette. Hein? Et bien ça, comme nous l'avons dit dans un prêche, même l'OMS le préconise. Le conseil. Il y a une émission sur France 5, ils ont fait une émission entière sur siwak pour dire que c'était bon. C'est une brosse à dents porte-partout. Quand on va dans un restaurant, on n'a pas forcément le brosse à dents et la dentifrice avec nous, mais ça tu peux l'utiliser. Et après avoir mangé à la pause de midi, tu utilises le siwak et tu as les dents resplendissantes. Et on a même dit à Aïcha radiallahu anha, quelle était la première chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait? Elle disait, il utilisait le siwak. Et les savants ont dit
que les musulmans comprennent que cela veut dire que le prophète embrassait ses épouses lorsqu'il rentrait à la maison. La cigarette contient des centaines de composants cancérigènes que vous connaissez. Le mercure, le plomb, l'arsenic, l'ammoniac, le monoxyde de carbone, le goudron, c'est-à-dire par la combustion de la cigarette, la nicotine qui est une molécule de dépendance. En 2007, on parlait de 13,5 millions de fumeurs en France. En 2018, on était à 11,5 millions, il y a eu une chute ou bien un nombre moins important de fumeurs. Peut-être qu'ils ont mesuré l'ampleur des dégâts sur leur santé que pouvait provoquer la cigarette. Et bien entendu, 11,5 millions en 2018, c'est encore trop élevé. Inutile de vous parler des chiffres sur les nombres de cancers liés au tabagisme, même le tabagisme passif. Mais pour faire vite, il y a une augmentation de 23% de crise cardiaque. Une augmentation de 26% à l'exposition au cancer des poumons. Et 85% des fumeurs se plaignent de problèmes respiratoires. Le taux de cancer chez les fumeurs est 8 fois plus élevé que chez les non-fumeurs. Les fumées causent 90% des cancers des lèvres, de la langue, des poumons, des maladies respiratoires et même les maladies du cœur. Selon l'Association nationale de prévention en alcoolologie et addictologie, et en se basant sur une estimation du service épidémiologique Gustave Roussy, ils disent, je cite, « Le nombre de décès attribuables au tabac serait de 73 000 par an en France. » Et là, les savants, et ça, c'est pas vrai que pour la France, c'est pour tous les pays. La première cause de mortalité dans tous les pays, la France y compris, ce n'est pas l'alcool, c'est la cigarette. Et certains savants ont donné cette conclusion suivante, la cigarette est encore plus interdite que l'alcool. Parce que l'islam, et on fera une série de prêches sur la charia, parce qu'on nous charrie beaucoup sur ce terme. Et la charia, sharia, elle a plusieurs buts. Il y en a cinq selon les savants. Maqas c'est de sharia. Et parmi les buts, c'est de hifdhun nafs, préserver la vie humaine, la tienne et celle des autres d'ailleurs. Mais ça, on en reparlera dans une série, inshallah, qui commencera incessamment sous peu. Donc de là, les savants parlent d'interdiction. Tobacco Atlas parle de 4 millions de morts par an dans le monde. La chicha, ou toute autre nouveauté, que ce soit cigarette électronique, ce qui vapote, est une chose à bannir. La nocivité de la chicha et du narguilé est aussi établie. Le fait que certaines personnes soient influencées par un clip de rap ou de shaabi ou de raï, parce qu'on a vu telle personne en train de fumer une chicha, ou même influencée par un film ou un phénomène de mode, ou la présence dans les pays musulmans comme en Égypte ou en Turquie du narguilé, donc si ça existe, c'est que ça passe. Non, ça passe pas. Il n'y a aucun savant aujourd'hui digne de ce nom-là qui dit que narguilé, cigarette ou autre est autorisé. Et si on suppose que la cigarette au chocolat existe, vous vous rappelez quand on était petit, on en avait supposé qu'elle existe, eh bien les enfants ne doivent pas l'avoir dans leurs mains. Il ne faut pas habituer les enfants à ce qui est nocif ou à ce qui va les diriger vers la mauvaise voie. Si le fumeur est novice, l'islam lui dit d'arrêter sur le champ. Si le fumeur est novice, l'islam lui demande d'arrêter sur le champ. S'il a plusieurs années, 10, 20, 30, 40 ans, et il est esclave à la nicotine, il doit se faire suivre par un médecin. Vous vous rappelez ce qu'on a dit au tout début du prêche. Tu ne peux pas dire à quelqu'un qui fume depuis 30, 40 ans, stop, baraka. Parce que la personne, elle n'aura pas forcément la même réaction que quelqu'un qui vient de commencer. Et il y a beaucoup de personnes, justement, qui deviennent très agressives lorsque ils n'ont pas eu leur dose de nicotine, ils peuvent être très agressifs. Il y a plusieurs chemins au remède pour ceux qui sont des grands fumeurs. Je m'adresse ici aux grands fumeurs parce que pour moi, les petits fumeurs, baraka, intahu khayran lakum, comme Dieu lui donne dans Sourate Nisa. Arrêtez, c'est mieux pour vous. Parmi les chemins de remède, les premiers sont les remèdes spirituels, la volonté. Et ça, c'est vrai pour tout. Celui qui veut accéder à quelque chose ou arrêter quelque chose, c'est la volonté la première chose. Si tu n'as pas la volonté, tu n'iras pas très loin, tu ne pourras pas concrétiser tes projets. Deuxièmement, l'amour. Ça peut être, et on a entendu des témoignages de personnes qui, dans un couple, par amour pour le conjoint, ont arrêté la cigarette. Et comme c'est de la spiritualité, on peut aussi parler de l'amour de Dieu. Pour l'amour d'Allah Azzawajal, tu arrêtes la cigarette. Les du'as qu'Allah Azzawajal te facilite pour arrêter de fumer. Le repentir, donc de demander à Allah Azzawajal de le guider vers le chemin pour arrêter de fumer et de s'excuser, de demander pardon pour tout ce qu'il a fumé, pour tout ce qu'il a dilapidé en argent. Et ensuite, il y a d'autres remèdes parmi lesquels la méditation, le yoga, etc. Les spécialistes parlent de ça. Nous, on a notre yoga qui s'appelle la prière avec concentration. Elle peut t'aider aussi à ne pas oublier, à ne pas penser à la cigarette. La diminution de la quantité quotidienne. Donc, si le grand fumeur fume
deux paquets par jour, eh bien d'arrêter petit à petit, donc un paquet par jour, etc. Diminuer le nombre de cigarettes par jour, jusqu'à, Inch'Allah, arrêter petit à petit. Je parle ici toujours des grands fumeurs. Faire du sport. La personne fait du sport, et en l'occurrence le sport qu'il aime. Arrêter en groupe. Quand on arrête en groupe, ça nous aide plus facilement. Ce qui est vrai pour l'alcool, vous connaissez même les associations d'alcooliques qui veulent arrêter, les alcooliques anonymes qui veulent arrêter ensemble. C'est pareil. D'ailleurs, vous avez vu comment on est motivé quand on prête tarawih? Parce qu'il y a un groupe, il y a un effet de groupe. Regardez comment, quand on sait que tous les musulmans font quelque chose, on le fait avec eux. Et vous savez, je pense que même on est très motivé pour le ramadan, parce qu'on sait que tout le monde dans le monde musulman jeûne le ramadan. Tous les musulmans du monde jeûnent. Par contre, le lundi et jeudi, ça nous paraît un peu dur parce qu'on sait qu'on n'est pas forcément, le monde musulman n'est pas forcément jeûneur. Est-ce que vous comprenez? Donc l'effet de groupe, à l'aide. Et surtout donc pour les fumeurs, donc se rapprocher de groupes justement qui veulent arrêter ensemble de fumer. Il y a même des campagnes qui aident à cela, comme un mois sans tabac, comme le mois de novembre, etc. Ou bien prendre une nouvelle résolution 2020, d'accord, de dire, Inch'Allah, cette année je vais arrêter. Bi'aounillah. Pour la prière à la mosquée, il est déconseillé de prier à la mosquée après avoir fumé. Donc la personne qui veut venir le vendredi, s'il est un grand fumeur, maximum, au minimum, une heure avant de venir à la mosquée, il arrête de fumer. Une heure avant. Il ne faut pas qu'il vienne avec les doigts qui sentent la cigarette ou les vêtements qui sentent la cigarette. Il doit se parfumer. Le prophète m'a dit, nous en avons fait un prêche sur le vendredi qui est en ligne, de se parfumer pour venir à la mosquée, etc. Et il est inacceptable, il est interdit de fumer sur les parkings des mosquées. Parce que les enfants, surtout quand les parents ils viennent chercher leurs enfants de l'école, dans les cours du week-end, samedi, dimanche, et ils voient les enfants voient les gens en train de fumer. Qu'est-ce qu'on est en train d'inculquer? Est-ce que c'est un message qu'on veut donner aux enfants, de leur dire que c'est pas très grave? C'est une chose qui est grave. Donc interdit de fumer dans le parking de la mosquée. Barakallahu fikum. Et bien entendu, cela, il y a un texte qui va dans ce sens-là. Le prophète a dit que celui qui mange de l'ail ou l'oignon ne s'approche pas de notre mosquée. Et ici, il parle d'ail cru et d'oignon cru. Parce que des fois, il y a des mariages, on mange aussi le smeto. Là, on parle, c'est pas l'ail et l'oignon qui est cuit. Et donc, on ne doit pas s'approcher parce que le prophète m'a dit, parce que les anges sont gênés par l'odeur, tout comme les fidèles sont gênés par l'odeur de l'ail et de l'oignon. Il n'a pas parlé de la cigarette. Alors, on sait très bien que ceux qui ne fument pas, et imaginez une personne, elle fume, et il prie à côté d'une personne qui est en train d'arrêter de fumer. Il peut être en train de lui attiser encore la volonté de revenir, la possibilité de revenir à la cigarette. Comment le musulman a réussi à patienter des longues heures pendant le ramadan à arrêter de fumer, ça doit aussi lui lancer un message pour le motiver. Et ne pas fumer, donc, comme on l'a dit, sur le parking de la mosquée, et ne pas jeter les mégots. On en a retrouvé parfois, malheureusement. Ne pas jeter les mégots sur le parking de la mosquée, et j'irai même plus loin, partout. Le fumeur ne doit pas jeter son mégot par terre. Il y a une association qui s'appelle Surfrider Europe, donc c'est une association de défense des océans, qui a, comme on a pu le voir dans la presse il y a quelques jours, qui a dit que un mégot, un seul, peut polluer 500 litres d'eau. Regardez, des fois, devant les collèges, les lycées, etc., combien de mégots on trouve. Donc nous sommes une communauté que le prophète islam a aimée, une communauté que Dieu subhanahu wa ta'ala a élevée. On ne doit pas se rabaisser au niveau de prendre un billet de 10 et de le fumer. Parce que, quelque part, le geste est celui-ci. Si tu prends un billet, tu l'enroules et tu le fumes. Ça revient au même, finalement. Dans cigarette, on entend arrête. En cigarette, on entend arrête. Beaucoup de nos aînés sont partis trop tôt à cause du tabac. Si tu fumes, arrête et reviens vers Allah avec le tawba, le repentir. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi. Ya ayyuhal ladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Qala 'alayhi as-salatu was-salam man salla 'alayya salatan sallallahu 'alayhi biha 'ashra. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الآل والصحب الكرام وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين والكفر والكافرين والظلم والظالمين اللهم احفظ إخواننا واحقن دماءهم في الصين اللهم احقن دماء أخواننا الويغور اللهم احقن دماء المسلمين في بورما اللهم احقن دماء المسلمين في فلسطين اللهم احقن دماء المسلمين في اليمن اللهم احقن دماء المسلمين في الشام اللهم احقن دماء المسلمين أينما كانوا برحمتك يا رحيم يا رحمن
اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم عافنا في أبداننا وفي أسماعنا وفي عقولنا اللهم يا رب العالمين متعنا بالصحة والعافية وجنبنا يا رب العالمين أسباب الأمراض والسرطانات يا ذا الأرض والسماوات اللهم احفظ هذا المسجد ومن بناه ومن ساهم في بنائه ومن صلى فيه ودعا فيه ونظفه يا رب العالمين واحفظ اللهم المسجد الأقصى اللهم احفظ المسجد الأقصى اللهم احفظ المسجد الأقصى بقوتك يا رب العالمين واحفظ المسجد النبوي والمسجد الحرام ومساجدك في كل مكان وكل مكان يذكر فيه اسمك يا حي يا قيوم اللهم احفظ وارحم والدينا كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم من كان مبتلا بالتدخين اللهم فاعنه على تركه اللهم من كان مبتلا منا بالتدخين اللهم فاعنه على تركه اللهم من كان منا ومن المسلمين مبتلا بالتدخين اللهم فاعنه على تركه برحمتك يا رب العالمين اللهم لا سهل لهم إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Thank you.